bonjour à tous, bienvenue sur Energy News, bienvenue pour la raclée édition 2009. Vous le savez, la raclée, c'est votre tournoi de football virtuel. Rappelez-vous, l'année dernière, c'est Rimka du 113 qui l'avait brillamment emporté. Alors, qui sera sacré champion du monde de la raclée 2009? Ce sera peut-être Omar, Ramzy, Titoff, Akhenaton, Mélissa M ou encore Pierre Ménès et bien d'autres. Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de savoir tout de suite. Attention, 3, 2, 1, la raclée 2009, c'est parti. Valérie, ça sera, je pense, me démontrer qu'elle a un vrai football. Alors, rond, c'est pour une passe longue. Carré, c'est pour shooter. Il va falloir faire face à cette équipe de Damido. R1, c'est pour faire des machins comme ça. Genre, t'as l'air un peu d'être un pro. J'ai vu que les panneaux publicitaires n'étaient pas bien colorés, etc. Donc, je pense qu'au lieu de jouer, elle va nous faire un petit peu les panneaux, enfin la déco du stade, et puis voilà. Ouais, c'est ma troisième raclée et j'espère que je vais pas prendre de raclée parce qu'à chaque fois que je suis venu, ça portait bien son nom. Hein. Je vais me faire humilier par Omar, humilier. Allez, pour ce premier quart de finale, c'est parti pour un beau Pays-Bas. Portugal, Valérie Damido contre l'explosif Omar. Ça va, comment es-tu avec une meuf pour commencer? Écoutez, ça n'enlève pas la pression, Ramzy. Mais pourquoi t'as pas pris un mec? Regarde, Thomas, il y a Wal. C'est le tirage au sort. Tu veux ma place? C'est le viens, hasard. S'il te plaît. Non. Voilà, sur ces bonnes paroles, le coup d'envoi est donné avec d'entrée une Valérie Damido visiblement déstabilisée. Portugal 1, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait? Et oui, Valérie sait recevoir et offre un terrible but contre son camp d'entrée. Enfin, t'as quand même déjà un but et je trouve ça un peu dégueulasse. Mais c'est gentil de ta part, en tout cas, Valérie, je te remercie. Oui, si Omar n'oublie pas de remercier Valérie, regardez, ses attaques eh bien, se montrent stériles. Ah dis donc, l'arbitre, il est où? Tu ne mets que des coups de pied, là, depuis tout à l'heure, dans tes trucs. Mais c'est un jeu où on joue avec les pieds. Hein. Bah, mais oui, non, mais j'ai pris un gros coup de pied, là. Oh là, péno. Et voilà, quand c'est moi, j'ai un péno. Bah ouais, mais t'es agressif, Valérie. Mais autant, j'ai pris des gros coups de pied partout. Tu vois, regarde, ils sont pas d'accord, mon équipe. Hop. Et comment on fait pour le pénalty là pour Eh bien on anticipe une direction Valérie, attention. Oh là là, le pénalty s'est joué à rien, le gardien ayant touché la balle mais rien n'y fait. Le Portugal d'Omar mène déjà 2-0. Allez, hop, oh là là. Attention, nouvelle action d'Omar, il va s'infiltrer dans la défense. Attention, contrôle de déco, frappe et but. Un superbe but qui devrait faire réagir Valérie, vous allez voir. Putain, je ne crois pas le mec qui s'appelle Déco. Ouais. Oh mon Dieu. Je crois pas, il s'appelle Déco. T'aurais dû le prendre. Enfoiré, il s'appelle Déco. Traître. T'aurais dû le prendre. Putain, hein? Moi, j'ai pas de pénalty avec tout ce que tu me mets comme coup et tout. C'est honteux. Eh ben alors Valérie, le sort s'acharnerait-il encore? Plaisanterie. Je ne joue plus. Une seule certitude, Omar, en menant 4-0 à l'ouverture de la deuxième mi-temps, eh bien produit du beau football champagne. Allez, dégage-moi tout ça, on va les niquer. Allez, un petit but, viens. Allez, hop. Allez, tire à ton copain, tire à ton autre copain. Voilà. Et toi, tu cours. Ah, c'est beau de courir, Valérie, c'est beau. Sauf que c'est fini. Eh oui, Valérie n'a rien pu faire. Omar est bien le premier qualifié pour les demi-finales de la raclée 2009. Merci. Valérie Omar, 4-0, c'est un score qui fait mal, mais à la fois, il y a eu quelque chose d'assez incroyable qui s'est produit, c'est qu'à chaque fois, c'est Déco qui a marqué. C'est ça. C'est-à-dire que le premier but, c'est moi qui le marque, dans mon propre camp. Je veux dire, c'est ça qui est beau. C'était un but de bienvenue, c'était pour m'accueillir, en fait. C'est ça, je voulais dire bienvenue, Omar. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que Omar, toi, tu acceptes la galanterie inversée avec le plus grand des respects, la plus grande joie. Oui, très, très honoré. Et je te remercie, Valérie. Maître, pardon.